Bonjour à tous. Église du Monde porte cette semaine son attention sur le Burkina Faso, pays d'Afrique de l'Ouest éprouvé. Côté français, c'est bien sûr l'hommage aux Invalides le 14 mai rendu aux deux soldats français tués lors d'une opération de libération d'otages. Mais côté burkinabé, eh bien ce sont des attaques contre des catholiques survenues les 12 et 13 mai dans le nord, ayant fait en tout 10 morts. On en parle dans quelques instants avec notre invité, le Père Dieudonné Bandé, prêtre burkinabé. Et puis l'actualité des églises, c'est aussi les élections législatives aux Philippines. Rodrigo Duterte devrait conforter son pouvoir. Nous entendrons le père jésuite Pierre de Charentenay, qui connaît bien ce pays. En Afrique, l'association Afrique Future, qui a pour but de désenclaver les villages, fêtait récemment ses 30 ans. Son fondateur, le père Emmanuel Marie Mbok Mbok, nous parlera de sa mission. Mais tout de suite, ce qu'il faut retenir sur le Burkina Faso. Le Burkina Faso partage ses frontières avec le Mali. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Niger. Il compte autour de 19 millions d'habitants. Sa capitale est Ouagadougou. Il est majoritairement musulman, 54,2 de la population. Les chrétiens représentent autour de 23,9 dont 20 de catholiques. Les animistes, 21,3 Les autres religions sont autour de 0,6 Le Burkina Faso a connu une crise politique en en 2014, avec le départ après 27 ans de pouvoir de Blaise Campaoré sous la pression de la rue. Et en 2015, une tentative ratée de putsch militaire. Fin 2015, Christian Caboret a été élu président. Il fait face à de nombreux défis. Malgré les ressources agricoles, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et 80 est analphabète. Et puis il y a aussi le défi sécuritaire. En effet, le Burkina Faso est confronté depuis quatre ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes. Et phénomène nouveau depuis quelques mois, les chrétiens sont aussi la cible d'attaque. Avec à l'heure où nous parlons, l'assassinat le 13 mai de quatre catholiques lors d'une procession mariale dans la province de Bam au nord du pays. La veille toujours au nord dans l'église de Dablo ce sont cinq fidèles et le prêtre qui célébrait la messe qui ont été tués par plusieurs dizaines d'assaillants armés. Auparavant, le 15 février, le père espagnol César Fernandez avait été assassiné dans le sud du pays, près de la frontière, avec le Togo. Et le 17 mars, le père Joël Yugbaré a été enlevé à la frontière du Mali. On est sans nouvelles de lui enfin, une attaque qui a également visé euh, les protestants, euh, le temple euh, de silgadji, l'un des temples au nord, donc euh, du pays qui a été attaqué euh, fin avril, faisant six victimes. alors, cette situation elle, elle inquiète bien sûr euh, les chrétiens dans un pays qui est pourtant marqué par une culture de la tolérance, un hein, vivre ensemble entre les communautés. tout de suite, on en parle avec notre invité. Père Dieudonné-Bandé, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver. Vous êtes burkinabé, originaire du diocèse de la capitale, Ouagadougou. Euh, parmi vos missions, vous avez été pendant sept ans recteur du séminaire de propédeutique de Kupela, dans l'Est. Puis aumônier durant deux ans dans un monastère des petits frères de Charles de Foucault à Comboussy au centre-nord. Alors, vous êtes en France depuis l'année dernière. Vous êtes chapelain de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Merci de, de nous retrouver le temps de cette émission. On est en proximité avec euh, votre pays, avec les, les Burkinabés, certains qui nous regardent aujourd'hui. Euh, on a suivi ces derniers mois euh, les événements qui touchent le Burkina Faso et, et en particulier euh, dimanche et lundi les 12 et 13 mai ces attaques euh, brutales contre des catholiques. Euh, il y a eu dix victimes, je le disais. Euh, on imagine le peuple très secoué. On a eu quelques échos de, de là-bas. Euh, voilà. Comment est-ce que vous, vous vivez ces heures particulièrement douloureuses Madame, je voudrais d'abord vous remercier pour l'attention que vous portez au Burkina Faso en ce moment où nous sommes beaucoup éprouvés, tant pour ceux qui sont à l'intérieur que pour ceux qui sont à l'extérieur. Mais je voudrais, avec votre permission, avant de commencer cette émission, confier à la miséricorde de Dieu tous ceux qui ont été frappés au Burkina Faso, au Mali, en France et ailleurs, parce que ces terroristes essaient de se faire remarquer et de la mauvaise manière. Alors, je voudrais que nous confions toutes ces victimes-là à la miséricorde de Dieu, ainsi que leurs familles, leurs communautés. Et je voudrais aussi qu'on prie pour la conversion de ces terroristes, pour qu'ils sachent que la vie est sacrée. Et que tout homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors pour cela, non seulement il faut respecter la vie parce qu'elle est sacrée, sa propre vie doit être respectée et la vie de l'autre aussi doit être respectée. Alors, je voudrais que nous confions toutes ces victimes-là et ces terroristes à Dieu. Oui, les familles qui sont éplorées puissent être consolées par le Dieu de toute bonté et de toute bienveillance. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire Depuis quelques années, effectivement, le Burkina Faso est la cible des terroristes depuis pratiquement 2015. Et cela, il n'y a pas une famille au Burkina qui n'est pas éprouvé. Il y a des civils, il y a des militaires, et il y a des étrangers. Personne n'est épargné au Burkina Faso aujourd'hui. Et nous sommes dans une, j'allais dire, une inquiétude. À cause de ces événements, les gens vivent vraiment une certaine psychose. Il y a une vraie peur en ce moment. Une aussi. vraie peur. Ouais. Alors, devant cela, les chrétiens ont été aux avant-gardes. De quelle manière Par oui. la prière, par la prière, et les évêques ont initié des prières. Les communautés se sont réunies, musulmans chrétiens catholiques, protestants, pour essayer d'organiser des prières pour que la paix puisse être vraiment une véritable réalité au Burkina Faso. Alors, Père, vous connaissiez euh, euh, le Père Siméon Yampa qui a été assassiné euh, dimanche 12 mai alors qu'il célébrait la messe dans l'église de Dablo. Euh, il s'agit de la première attaque contre une église catholique dans, dans votre pays. Vous l'avez eu comme élève au séminaire. Euh, voilà. Comment est-ce que vous avez réagi en, en apprenant cela Alors, c'est par un SMS que j'ai reçu la nouvelle de l'attaque de l'église de Dableau. Et quand j'ai vu le nom de Siméon, je suis resté sans parole. J'ai prié pour lui, puisque de toute façon, j'étais toujours en communion avec lui. Dans la prière, puisque je leur ai promis d'être tous en communion avec eux, chaque fois qu'ils partaient du séminaire, parce que j'ai dit le séminaire est un temps où nous vivons ensemble, où nous partageons tout ensemble. Alors chacun part avec quelque chose de l'autre. Alors il fait partie de la première promotion des propriétaires que j'ai eu en, en 2006. Ils étaient 45. Il était ordonné jeune prêtre. Il était ordonné il y a en, ans, hein. en 2014. Mm -hmm. Il y a quelques années, 2014. L'année ans d'ordination. 2014, qui, oui. qui est aussi euh, l'année de, de euh, la construction de cette paroisse de, de Dablot. Exactement. Euh, on va en voir quelques photos. Il y a six ans seulement que la paroisse a été inaugurée. Voilà, toute récente. Inaugurée. oui. Dans cette région qui est euh, à 25 chrétienne, je crois. Oui. Un grand choc, j'imagine. Euh, on va écouter euh, Monseigneur. Théophile Darin, hein, qui est l'évêque de Kaya, diocèse dont dépend euh, le village qui a été attaqué. Il évoque la douleur de la communauté chrétienne. Dans une interview à Vatican News, on en écoute un extrait. Je savais que la région euh, vit ce qu'elle vit, qu'il y a un grave problème d'insécurité. Je ne, ne m'attendais pas à vivre de tels événements, évidemment. Donc euh, je, je suis, euh, comme beaucoup de chrétiens et comme tout le presbytérium, sous le choc. Nous posons beaucoup de questions parce que là, c'est un tournant là qui semble amorcer parce que jusqu'ici, ils n'avaient jamais fait une chose pareille. Alors maintenant, s'ils s'attaquent aux communautés chrétiennes de cette manière, euh, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Beaucoup d'incompréhension perd en ce moment. Euh, J'imagine, euh, voilà, les chrétiens n'étaient pas visés jusqu'à ces derniers mois. Pourquoi le sont-ils aujourd'hui, selon vous je pense que si les chrétiens sont visés aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont une arme puissante contre ces terroristes, la prière. Alors ils ont peur de cette arme des chrétiens et je suis certain qu'ils ne perdent rien à attendre. Parce que les chrétiens continuent de prier et de prier pour leur conversion. Parce que nous le chrétien n'a pas d'ennemi. Priez pour vos ennemis, nous a dit le Christ. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Et saint Paul, soyez vainqueur du mal par le bien. Alors c'est ça le chrétien. Et je pense que au Burkina Faso, c'est cette image là que les chrétiens ont toujours présentée. Et c'est cette image qu'ils veulent attaquer selon vous. Voilà. Et c'est cette image qu'ils veulent attaquer. Et je pense que et, et, ils ont beau atta vouloir attaquer cette image, ils ne pourront jamais l'effacer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de cette, cet événement-là, de cette attaque de, des faits qui euh, concernent euh, l'attaque de l'Église elle-même euh, L'attaque de l'Église elle-même en tant que telle, l'église de Dableau. Bon. Ces terroristes veulent montrer que en fait... Ils sont contre l'Église. Parce que moi, je ne les appellerai pas les, des djihadistes. Moi, je les appelle des terroristes. Ce sont des gens qui veulent faire du mal et qui ne savent pas pourquoi ils le font, à mon humble avis. Il y a eu, Père, aussi, euh, le lendemain, euh, cette procession mariale qui a été euh, visée. Euh, dans la province de, de Bam, au nord, avec quatre, quatre personnes qui ont été tuées. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter voilà, Qu'est-ce qu'il s'est passé Là aussi, c'est un SMS que j'ai reçu, Alors, me disant que, puisque durant le mois de mai, qui est un mois marial, les communautés, les villages des communautés s'organisent pour faire une de procession avec la statue de la Vierge Marie. D'un village à l'autre, un village accueille la Vierge une semaine et la porte dans un autre village l'autre semaine. Et je pense qu'il y a un des villages qui a lu la Vierge et qui la portait maintenant dans un autre village. Et au retour maintenant, ils ont été attaqués par les assaillants qui ont pris la Vierge, qui l'ont brisée et qui ont tué quatre d'entre eux. Pour dire que votre histoire de religion nous empêche d'aller de l'avant. Alors il faut qu'on vous attaque. Moi je pense que en fait c'est leur vision des choses. Mais cela fait peur aux chrétiens bien sûr, mais ne les arrête pas dans leur vie de foi, d'espérance et d'amour. Quelle a été la, la parole euh, peut-être de, euh, de prêtres, d'évêques euh, suite à ces événements Est-ce que vous avez eu des échos vous de ce qui a été dit pour un petit peu apaiser, pacifier aussi les chrétiens éprouvés Je pense qu'à l'occasion de Pâques, tous les messages des évêques ont été donnés dans ce sens. Mm -hmm. Et il y a eu le pèlerinage à Yagma. Donc le sanctuaire de Yagma. Le sanctuaire marial de Yagma, oui. où effectivement euh, la prière a été dans ce sens-là. On a invité les chrétiens à prier pour la paix au Burkina Faso. Et je profite de l'occasion pour dire également que depuis quelques années, il y a une prière qui a été composée pour la paix au Burkina Faso. Pour la paix au Burkina Faso. Et elle a été traduite dans les différentes langues. En français, bien sûr, et dans les différentes langues. Et nous la disons régulièrement, les évêques avaient demandé à ce que cette prière soit dite à la fin de chaque célébration eucharistique pour que nous puissions avoir la paix. On vient de voir quelques images de, des obsèques euh, des victimes de l'attaque de l'église de, de, de Dablo. Dablo. Euh, je le disais, hein, la situation sécuritaire qui s'est détériorée, notamment depuis quelques mois euh, en particulier. On va écouter l'éclairage de Raphaël Daki, chef de projet de l'aide à l'église en détresse pour le Burkina Faso. Depuis le 31 décembre, le 1er janvier... Euh, le Burkina Faso tombe dans une grande crise intercommunautaire il y en a des conflits qui s'élèvent là maintenant entre euh, agriculteurs, éleveurs euh, des peuples qui vivaient ensemble de façon très paisible dans ce territoire commencent à subir euh, ces attaques c est, c est, et donc c'est compliqué hein, la situation euh, la tension s'élève et quand on touche l'église bien sûr ces 25% des, des Burkinabés sont chrétiens euh, on touche une grande partie de la population. Voilà, donc euh, des conflits qui se euh, greffent aussi dans tout ça, hein, conflits intracommunautaires. Euh, Dites-nous, pourquoi finalement le, le Burkina Faso ne, ne parvient-il pas à mieux maîtriser la situation Il y a eu euh, des zones qui ont été décrétées en état d'urgence ces dernières années, voilà, il y a eu des attentats à Ouagadougou il y a quelque temps aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours tant d'insécurité dans votre pays C'est une question assez délicate, parce que je pense que l'insécurité n'est pas seulement vécue au Burkina Faso. Chaque pays doit s'organiser pour défendre ses populations. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes assez défendu dans votre pays Mais maintenant, euh, nous essayons de nous défendre, parce qu'il y a les, FD, les FDS, les forces de, de sécurité. Ils essaient de déployer les moyens qui sont les leurs pour essayer de défendre les populations, et eux-mêmes au risque de leur vie, eux-mêmes au risque de leur vie, il y a beaucoup de, de forces de sécurité qui, qui ont perdu la vie depuis ces, 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 ces attaques. Alors, je pense que c'est le diable qui, à mon sens, <laughs> visite le Burkina Faso. Ça, c'est l'œuvre du diable, du malin. Parce que des personnes sensées, je ne sais pas qu'est-ce que le Burkina a pour qu'on vienne lui faire tant de mal actuellement. On vivait bien en paix les uns avec les autres. Oui, ce pays est vraiment connu ce pour pays, cette culture-là. Ouais, et, et pour sa, son hospitalité. Oui. Légendaire. Et tout d'un coup, voilà des événements, des catastrophes qui arrivent. Bon. Alors nous, nous accueillons tout. Avec un œil de, de chrétien, dans la foi, la tolérance, la vigilance, et dans une grande espérance que la situation s'améliorera. Vous parlez de cette culture et le fait que vous viviez bien entre chrétiens, musulmans, il y a beaucoup de mariages mixtes, il y a beaucoup de rencontres interreligieuses. Est-ce que vous craignez que cette euh, cette entente-là, ce vivre ensemble, soit menacé aujourd'hui. Moi, je n'ai aucune crainte par rapport à ce vivre ensemble, parce que vous avez dans la même famille des chrétiens, des musulmans, des protestants, des animistes, et nous cohabitons ensemble. Et l'un est dans la joie, l'autre est à côté de lui, et ainsi de suite. Et je pense que actuellement. Nous sommes en train de vivre une certaine solidarité. Nous sommes les uns derrière les autres. Je ne suis pas au pays, mais je sais que c'est ce, ce climat-là qui, qui, qui prévaut actuellement. Vous avez eu des, des, oui, des gestes, je, des paroles oui, de musulmans aussi Oui. Amis oui, musulmans. Je, oui. Par exemple, j'ai eu un message où un musulman s'exprimait sur WhatsApp pour dire que, en fait, lui, il ne comprend rien de ce qui se passe dans cette affaire. Et je donne un petit témoignage. Un richissime musulman avait butumé la voie d'accès à notre lieu de pèlerinage diocésain, le sanctuaire marial. Et chaque année, à l'occasion du pèlerinage diocésain, il apportait des citernes d'eau pour étancher la soif des pèlerins, pour la plupart qui venaient à pied. Ça, c'est bien l'image de ce qui se passe dans votre pays, et c'était pour le sanctuaire de, de Yagma. Pour le sanctuaire de Yagma. Et même, il a contribué pour la construction de certaines églises. Et moi, tout jeune séminariste, il est arrivé même que nous sommes allés lui demander des cars pour nous amener pour nos sorties. Et il le faisait vraiment généreusement. Alors si bien que, et les mariages, et son éminence a organisé dernièrement des pèlerinages pour les couples mixtes. Le cardinal Wedrago. Ou le mm -hmm. Pour les couples mixtes. Ayagma. Oui, Ayagma ou bien des rencontres avec eux pour essayer de les encourager et, voilà, à vivre ensemble. Alors, si bien que personnellement, ce qui se passe aujourd'hui fait mal tant aux musulmans qu'aux chrétiens, aux protestants qu'aux animistes. Tout le monde est éprouvé par cette situation. Voilà. – Dans ce contexte, quel rôle peuvent jouer les chrétiens Vous parliez de la prière l'importance de la prière, voilà, qu'est-ce que les chrétiens peuvent faire, ils sont minoritaires aussi. Ils sont minoritaires, certes, mais ils peuvent faire beaucoup, parce que ce n'est pas le nombre qui fait le travail, c'est l'esprit dans lequel on travaille qui compte le plus. Ils ont une place visible dans la société Les chrétiens ont une place visible dans la société, parce que, quoi qu'on dise, les premières écoles ont été les écoles de la mission, où tout le monde pouvait venir recevoir l'éducation. Et encore aujourd'hui, l'école de la mission au Burkina Faso est prisée. Tout le monde veut mettre son enfant dans l'école catholique, parce que là, il n'y a pas de contraintes. Vous mettez votre enfant, il, peut, il reste musulman, il reste protestant, il reste animiste. Ceux qui il veulent, ils peuvent venir à la foi catholique. On ne force personne. Et je pense que c'est cela... Qui fait notre force. On est ouvert à tous. On est ouvert à tous. Et au niveau du Vatican le, du caster pour le dialogue interreligieux, au Burkina Faso, nous avons des, des répondants. Dans les paroisses, nous avons des prêtres qui s'occupent de cela. Qu Et quand il y a, par exemple, une fête musulmane, nous y allons. Quand il y a une fête chrétienne, ils viennent chez nous. Combien de fois le cardinal, son éminence, a participé à la prière du Ramadan Plusieurs, le plus. Et quand il était évêque de Ouagadougou, il participait également. Donc, vous n'êtes pas inquiet sur le fait que, voilà, cette belle entente va se va se poursuivre. Aucune inquiétude dans ce sens. Merci beaucoup, euh, Père Dieudonné Bandé, d'être euh, venu nous, nous porter votre témoignage fort sur euh, ce qui se passe. Et euh, on est évidemment euh, en lien, en proximité, par la prière, avec les Burkinabés. On va continuer à suivre ce qui se passe dans votre pays. thank <music> you Il faudra attendre quelques jours avant d'être fixé sur le nombre exact d'élus de la majorité qui siégeront au Sénat, mais la tendance est claire. Les Philippines ont voté lundi aux élections de mi-mandat en faveur du président Duterte. Depuis trois ans, le Sénat a joué un rôle crucial pour bloquer certaines des initiatives les plus controversées du président, comme le rétablissement de la peine de mort pour les crimes liés au trafic de drogue. Avec cette victoire, eh bien le Président pourrait modifier, comme il le souhaite, la Constitution, un danger vu de l'Occident. Alors pourquoi 80% des Philippins ont-ils renouvelé leur confiance en lui Éclairage du Pierre, Pierre de Charanté, directeur adjoint de l'Institut catholique de la Méditerranée, joint par téléphone par Gabriel Kerry. Il correspond à ce que les gens veulent, c'est-à-dire une, une démocratie forte qui... Euh qui prend des décisions, qui fait ce qu'elle dit, et même si euh, la vision qu'on en a, qui est d'ailleurs centrée sur une seule question, c'est-à-dire la question de la drogue, hein, où là, manifestement, il y, y a un gros problème, c'est clair, puisqu'il y a probablement cinq cents personnes qui ont été assassinées, euh, mais la, la population dit que il faut régler ce problème de drogue. Et que, malheureusement, tous les moyens sont bons. Parce que la population, en trente ans, n'a rien vu changer. Ceux qui étaient les démocrates respectueux des droits de l'homme n'ont pas fait le travail sur la justice. Et, et là, maintenant, on a un populiste qui fait ce travail, mais qui le fait de manière très violente. Les gens se disent bon, euh, c'est ça, c'est mauvais, on ne devrait pas tuer, etc. Mais, euh, sur 80% du reste de ce qu'il fait, c'est positif. Donc euh, ils regardent le positif et, et ils oublient le négatif. Maintenant les catholiques, et surtout l'Église, elle est très claire sur, sur ce plan. C'est-à-dire qu'il faudrait, faudrait respecter euh, les droits humains, y compris les droits des, des drogués, hein, euh, qu'on les mette en prison, qu'on les juge, mais ils aucun droit à les, à les liquider de cette manière. Un nouveau drame humain en Méditerranée dans la nuit du 9 au 10 mai au main. Une soixantaine de migrants, en majorité du Bangladesh, ont péri dans le naufrage de leur embarcation en large de la Tunisie. C'est l'un des pires incidents en Méditerranée ces derniers mois, selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés qui redoute de nouvelles tragédies alors que les tentatives de traversée reprennent en ce début de saison. L'association Afrique Future vient de fêter ses 30 ans. Fondée en 1988, elle a pour but de désenclaver les villages africains en construisant des ponts, des dispensaires, des hôpitaux ou encore des puits. Son fondateur, le père camerounais Emmanuel Marie Mbok Mbok, était de passage à Paris. Il nous a partagé son témoignage sur l'isolement dont souffrent de nombreuses régions d'Afrique. Propos recueillis par Rémi Pem. C'est extrêmement difficile pour les pour les populations, il y a encore des endroits complètement enclavés. L'eau potable, c'est un rêve pour nous. L'électricité, plus qu'un rêve. On ne sait pas si on en aura un jour. Ma journée finit à 18h30 parce qu'il n'y a pas d'électricité. Je dois aller chercher l'eau au puits. Et de même pour les populations, des enfants qui viennent à l'école, combien me disent, mon père, on n'a pas mangé depuis hier. Donc on a ce gros problème. Et justement, la devise d'Afrique de Fritu, c'est aimer, guider, construire. Parce qu'en euh, en fait, on a besoin de ces petites structures dans les villages pour faire revivre les villages. Dans un village, combien de femmes ont accouché dans mon véhicule Parce que je les amène à l'hôpital qui est à 60 km, 70 km, alors qu'il n'y a rien, rien du tout dans le village. Combien de, de, de personnes qui sont venues me voir avant la messe pour prier pour le bébé, mais qui ne fait que le paludisme. Alors, et combien d'enfants doivent-ils attendre d'avoir 7, 8, 9 ans pour pouvoir faire 10 km à pied pour aller à l'école Alors, si nous ne travaillons pas pour bâtir, pour bâtir, mais rien de concret ne sera fait. Voilà, si vous souhaitez soutenir Afrique Future, vous pouvez adresser vos dons au site internet dont l'adresse est sur vos écrans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir.